Bismillah. Tcha et ses frères. Tcha était le dernier garçon d'une fratrie de 7 garçons. Tous ses frères étaient grands de taille, sauf lui. Il était petit et maigrichon. Un jour, leur grand-père leur acheta des fusils et des chevaux et leur dit: Je compte sur vous pour capturer les deux redoutables lions qui vivent dans la forêt. Les 7 garçons parvinrent à piéger les deux féroces bêtes dans leur filet. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent une fée. Elle leur proposa de dormir chez elle et leur servit du lait qui était noir. Devant leur étonnement, la fée explique: C'est à cause du chacal qui rôde dans la forêt. Mes chèvres en ont tellement peur qu'elles se contentent de manger les braises éteintes du foyer. Les 7 frères promirent de tuer le chacal. Le lendemain matin, ils prirent la route, laissant les 2 lions chez la fée. Chemin faisant, ils croisèrent une ogresse déguisée en gentille femme. Comme la nuit tombait, elle leur offrit le gîte. Les 6 frères s'allongèrent par terre pour dormir. Quant à Tcha, il se coucha dans un petit couffin suspendu au plafond et garda l'œil ouvert. L'ogresse ne tarda pas à dévorer les 6 frères. Elle s'avança ensuite vers Tcha, qui lui dit: Avant de me manger, peux-tu me donner un peu d'eau? Dans quoi? hurla l'ogresse. Dans un tamis, répondit Tcha. Pendant qu'elle essayait de remplir l'eau, Tcha profita pour s'enfuir à toutes jambes. Bientôt, il atteignit une rivière en furie et la supplia: Ô rivière de beurre et de miel, laisse-moi passer. Aussitôt, la rivière sécha et Tcha passa sur l'autre rive. Furieuse d'avoir été tournée en bourrique, l'ogresse se jeta à la poursuite du petit bonhomme. Trouvant la rivière en crue, elle lui ordonna: Ô rivière de malheur et de puanteur, laisse-moi passer. Mais la rivière devint plus grosse et plus agitée. L'ogresse s'en retourna demander conseil au cheikh du village et revient bientôt avec la formule magique: Ô rivière de beurre et de miel, laisse-moi passer. La vilaine créature poursuivit son chemin et faillit rattraper Tcha, qui eut juste le temps de grimper un arbre. L'ogresse se mit à secouer violemment les branches lorsque surgissent les 2 lions que Tcha et ses frères avaient laissés chez la fée. Ils ne firent qu'une bouchée de l'ogresse. Enfin libre, Tcha rentra chez lui, sain et sauf, mais triste d'avoir perdu ses 6 frères.